que le recruteur va capter immédiatement, ça peut provoquer une... Regarde, regarde là, regarde. Regarde l'humidité, il y a tout là. La peinture, regarde. Regarde. Oui, regarde. Qu'est-ce que ça doit faire? C'est la maison de diable, là ou quoi? Pour vous expliquer comment ça a commencé en 89, quand j'ai divorcé avec mon épouse. Et moi, je suis parti à Melun, chez M. Papoint, où j'ai travaillé 15 ans avec lui. J'étais responsable de toute la fabrication du pain. Je gagnais plus de 3 000, 3 500 euros net par mois. Jamais eu de problème avec lui. Puis M. Papoint a revendu sa boulangerie à Nogent-sur-Marne pour aller reprendre une autre grosse affaire à Reims. Et puis quand le nouveau boulanger est arrivé, il a voulu tout changer, il voulait que je fasse toujours autant d'heures, c'est-à-dire 2 heures du matin, des fois 6-7 heures du soir, mais le salaire diminuait pratiquement de 1000 euros. Et je voyais bien que je me faisais avoir, donc déjà ça me minait le moral, en plus j'étais crevé, fatigué, j'avais plus de vie, j'avais plus rien, j'étais devenu une machine. Ah, une vraie machine, on appuyait sur le bouton, hop, au boulot, hop, t'appuies le bouton, on va te coucher. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est là que ça commençait à déraper. C'était en février 2007, juste après les fêtes de Noël, où j'étais vraiment crevé. J'étais voir le patron, j'ai dit, oui, demain c'est repos, lundi je suis pas là. C'est pas la peine, je suis pas là. Je n'ai pas retrouvé de travail. C'est ça le problème. J'ai pu payer mon loyer pendant 4 mois. Un jour, je suis arrivé devant ma porte, il avait changé les serrures, avec toutes mes affaires à l'intérieur. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à la rue avec ce que j'avais sur moi, un pantalon, une veste. C'était au mois de juillet 2007. Là, ça a vraiment été la descente aux enfers. Je voulais pas dormir en ville, je voulais pas dormir sous un pont, je voulais pas dormir, je sais pas, où tout le monde me voit surtout. Je voulais pas qu'on me voie, voilà, c'est surtout ça. Avec le peu d'argent qu'on m'avait prêté, je me suis acheté une tente, j'étais dans le bois de Vincennes, comme ça par hasard. Au départ, j'appelais ça mon camp de retranchement, c'est-à-dire j'avais planqué ma tente tellement bien dans un coin où personne ne me voyait, je me suis senti un peu isolé, un peu seul, c'est vrai, mais tranquille. J'étais plus d'un an avant que les gens me voient, quelqu'un me voit dans le bois. Là, j'ai commencé à voir les gendarmes à cheval, où il y avait un brigadier chef qui m'a dit « On va vous envoyer une assistance sociale. On va vous aider à trouver le RMI, à avoir les papiers pour faire le RMI. » Moi, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Pratiquement un an et demi sans ressources. J'avais un ami qui travaillait dans un supermarché à Nogent et qui me faisait venir à la sortie des poubelles le soir pour me donner les invendus. Puis après, bon, je vous dis, j'ai commencé à voir mon RMI, rencontré ce fameux monsieur Stéphane, assistant social au PSA Bastille, qui m'a fait une domiciliation pour recevoir mon courrier, bien sûr, et m'envoyer voir des gens pour me faire un CV. Là, ça commence à déboucher, parce que c'est lui qui m'a avancé les 50 euros pour acheter un petit portable, qui est toujours là, c'est toujours le même, pour pouvoir mettre un numéro de téléphone sur mon CV. Puis un jour, mon CV est arrivé dans les mains de Antoine et Domitil, mes nouveaux employeurs. Ils m'ont contacté, c'était au mois de juin 2009, mais j'habitais toujours dans le bois. Hein. Alors je lui ai expliqué que j'habitais dans le bois, mais que j'étais toujours à mon travail à l'heure, que tout ça. Il me dit, nous, on s'en fiche où tu habites. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois au boulot. Ils ont vu que j'étais tous les jours au boulot, que je venais du bois de Vincennes jusqu'à Paris, sans problème. Tous les jours, j'étais au boulot, j'ai jamais manqué une journée. Hein. Je suis quand même resté 3 ans dans le bois. J'ai craqué pour la baignoire, bien sûr. Une très grande baignoire, j'ai craqué. On devient difficile, plus que vous croyez.